Bonjour Benjamin Legrand. Rebonjour. Bonjour Benjamin Legrand. On est au 21e festival de Buc. Au 21e siècle. De bande dessinée, au 21e siècle aussi. Et vous, justement, à propos de 21e siècle, vous en profitez pour ressortir une bande dessinée, Requiem Blanc, qui était sortie au début des années 80. Racontez-moi un peu cette histoire. Au début des années 80, je venais de finir Le Tueur de Cafards avec Tardy. C'était ma première BD en tant que scénariste avec un grand de la bande dessinée. Pendant ce temps-là, Jean-Marc Rochette venait de finir Le Transpersonnage avec Jacques Loeb. Et on s'est mis, grâce à Casterman et à la revue À Suivre à l'époque, ils nous ont dit bah, pourquoi vous ne travailleriez pas ensemble sur un scénario de science-fiction. Et donc j'ai écrit un scénario qui s'appelait Le Requiem Blanc, qui est magnifique, qui a été magistralement dessiné par Jean-Marc Rochette. Et bon, cet album a eu sa vie, mais c'était il y a plus de 30 ans. Et donc, et là, la maison Casterman, suite au succès du Transpersonnage, a décidé de rééditer cette bande dessinée. Jean-Marc l'a colorisée d'une manière assez extraordinaire, a rajouté des tableaux différents de ce qu'il y avait entre chaque chapitre à l'époque. Et ça donne un album magnifique fait sur un très très beau papier, enfin très très beau boulot d'édition. Mais le plus étonnant, c'est que ça parle de choses que j'ai écrites à l'époque, oui, et qui résonnent maintenant. Ça reste extraordinairement d'actualité. C'est extraordinairement d'actualité à cause de la montée des extrémismes de droite et la montée de, je sais pas, le vieillissement de l'Europe, et d'autres choses que je ne veux pas vous dire parce que sinon ça dévoile l'histoire. Alors vous me disiez avant de commencer cette interview aussi que la musique joue un rôle important dans votre travail, que ce soit le polar ou la bande dessinée, on peut comprendre en même temps. Ah ben j'écoute tout le temps de la musique quand j'écris, ça c'est très simple, j'écoute de tout, du jazz beaucoup, de la musique classique, du rock. La seule chose qui m'empêche un peu d'écrire, c'est quand c'est de la chanson française parce que les paroles viennent intervenir dans ce que j'écris. Quoi. Mais à part ça, beaucoup dans mes livres, il y a beaucoup de personnages qui soit jouent de la musique, sont musiciens. Même la musique, il y a des paroles de chansons par moment. Il y a des, je sais pas, la musique. Moi, je suis aussi un peu musicien, donc c'est la musique, c'est comme disait Nietzsche, sans la musique, la vie serait une erreur. La vie serait une erreur. Je vais vous rendre votre liberté parce que je sais qu'il y a une file d'attente devant votre table. Donc je vais vous laisser dédicacer. Je vous souhaite un excellent festival. Peut-être je vous laisse le soin de rappeler donc le titre et l'éditeur sur lequel est sorti. Le Requiem Blanc de Rochette et Legrand chez Casterman. Merci beaucoup. Ça vient de sortir. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous. Au revoir.